Shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui du 2, n'est-ce pas, de vendredi 2 février 2018. Nous sommes sur l'axe Iré, n'est-ce pas, Divo, pour vous montrer un peu cette voirie. Depuis 2013, le Seigneur nous a envoyé, du moins dans ce secteur, n'est-ce pas, pour faire soi l'évangile, parce que l'évangile c'est source de bénédiction. Et pour vous dire, aujourd'hui, si nous allons aux États-Unis, en France, un peu partout, nous savons sous revenir dans les villages. Notre ministère, c'est d'aller dans les villages. Mais nous avons chaque fois ici, à partir de 2013, nous étions chaque fois dans sur cette voie en train d'aller propager l'évangile de Jésus-Christ. Avec des difficultés, plusieurs fois nos véhicules se sont abîmés ici, cette voie. C'est le prix à payer. Nous ne sommes pas des gens qui sont forcément sur les réseaux sociaux assis, en train de parler sur Facebook, mais nous sommes des hommes d'action. Donc, le fait que notre présence dans cette région, il y a eu vraiment un impact positif qui est le développement. Parce que le plan de Dieu, c'est l'évolution de l'être humain. Et on ne peut pas parler de développement sans route. Voilà, parce que la route précède le développement. Et nous allons mener le combat. Voilà, donc, malgré les difficultés, malgré un peu tout ça, nous avons laissé Abidjan, nous laissons les grandes villes pour braver ces obstacles afin d'aller prêcher l'évangile du Seigneur. Donc, c'est ce que les gens doivent retenir et que nous autres, aujourd'hui, si nous sommes dans les grandes salles en France, dans les grandes salles aux États-Unis, nous menons aussi des combats aussi dans les villages. Shalom, que Dieu. Mesdames et messieurs, vous savez quoi? Je suis ici au Grand Carrefour de Doko, un secteur que tout le monde connaît ici dans la région de Divo, un secteur impraticable. Il y a de cela 5 ans encore, quand le prophète Joël Grasso, ensemble nous franchissions ce seuil dans des caniveaux, dans des trous pratiquement impossibles. Aujourd'hui, nous sommes au 2 février 2018. Et je vous assure que c'est avec joie que je découvre cette enseigne. On n'aurait jamais cru que ce coin serait assaini. Et que le prophète Grasso, partout où il passe, et que nous prions, ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons. Ici, c'est le carrefour de Doko. Et aujourd'hui, tout le secteur est assaini. Ce matin, nous sommes en partance pour une cérémonie. Et c'est avec joie que je vous déclare et que je vous présente toutes ces œuvres qui sont vraiment de la volonté de Dieu à travers le prophète Grasso qui est son serviteur. Parce que tout participe aujourd'hui au développement. Et la structure du prophète Grasso, c'est le développement de l'environnement et pour le bien-être des êtres humains. Et je tenais à vous le signaler ce matin, tout particulièrement, chers frères et sœurs en Christ. Et le prophète Grasso a beaucoup fait pour la région et il continue de le faire. Ici, c'est le carrefour d'Idoko. Qui l'eût cru? Même moi qui suis là, dans cette joie qui m'anime ce matin, je ne l'aurais jamais cru qu'on pouvait assainir ici. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est puissant. Il domine toute force sur cette terre. Amen.
village de Zaroko. Émile, hein? On a dit Émile. Je suis très heureux de recevoir la délégation, le prophète et sa délégation, qui vient faire la consécration du centre de santé de Zaroko. La première fois, mais le prophète Crasso a déjà combattu énormément pour le village de Zaroko. Il a même déterré des cadenas dans ce centre de santé qui n'était pas fonctionnel depuis 20 ans. Et par la suite, il a fait, on a découvert l'eau, on l'a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup combattu pour le village de Zaroko. Nous sommes très reconnaissants pour lui. Nous lui disons grand merci. J'ai dit merci à la délégation qui l'accompagne. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Vraiment que Dieu fasse à ce que ça se réalise dans les meilleures conditions. Dango. Etier Bernadette. Et quoi? Etier Bernadette. Présent des femmes des Zaroko. Je suis très heureux pour la cérémonie qui se déroule actuellement. Plus heureuse même d'ailleurs. Et je ne sais pas c'est par où il faut commencer. Pas, les mots me dépassent. Les mots vous dépassent. Bon, quand je n'étais pas à Zaroko, mais ça fait plus de 20 ans que le dispensaire était là. Grâce à l'arrivée du prophète qui a raciné vraiment pas mal de choses ici. Aujourd'hui, on a le dispensaire qui fonctionne. La salle femme viendra bientôt. Mon premier accouchement était des jumeaux. C'était quand? Le 23 décembre. Sa femme est d'ailleurs sage-femme. Lui, il est arrivé 2 jours après la fin d'accouchement. Et quand sa femme arrivait le 23 pour fêter, elle arrivait le 22, le 23, elle a fait des jumeaux. Et les accouchements continuent ici. Le seul problème que nous avons, c'est que actuellement, ils travaillent dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, vraiment. C'est le seul handicap que nous avons pour le moment. Sinon, je suis très heureux. Je suis Dago Martial, président des Jeux de Zaroko. Et je pense que cette cérémonie aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie pour tout le village parce que depuis ma naissance, il n'y avait pas de maternité ici. Il n'y avait pas de dispensaire non plus. Mais aujourd'hui, le dispensaire a été construit en 1995 et bloqué. Il était dans la brousse. Et quand le prophète est arrivé dans ce bloqué village. Bloqué par qui? Par les sorciers. Parce que quand le prophète est arrivé dans le village, il me rappelle bien, c'était en 2013, il est venu jusqu'à là. Et il a déterré le cadenas, il était attaché, froissé. Et après ça, on a constaté que les activités ont commencé à avancer. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un infini à Zaroko. Donc pour nous, c'est une joie pour la jeunesse. Parce que je constate que nos parents ne se déplacent plus pour aller à Iré. Parce qu'on a vu dans le passé, il y a des femmes qui devaient accoucher, on prenait sur les motos pour aller à Iré pour accoucher. Malheureusement, je sais, je peux le dire, il y a une femme même qui partait pour accoucher, c'était en moto, malheureusement, elle est morte. Donc aujourd'hui, ce genre d'événements ne se répètent plus dans ce village. Donc pour nous, en tant que jeunes, je suis tellement content parce que c'est grâce au prophète, grâce à sa prière. Aujourd'hui, l'infini est là, mais on attendait la main du prophète parce qu'il a dit, cela s'est accompli. Aujourd'hui, il vient encore pour prier pour que dans notre maternité, on n'ait plus de morts, on n'ait plus. Tu viens ici, il faudrait que tu sois guéri parce que c'est Dieu qui guérit. Donc pour moi, c'est une joie de recevoir le prophète pour cette cérémonie. Je souhaite que chaque année, si possible, si chaque année ça peut se répéter, qu'on évite vraiment. Parce qu'il a déjà prié, les sorciers se sont calmés, et néanmoins la maladie, comme elle est naturelle, elle vient chaque fois. Donc je souhaite qu'il soit toujours à nos côtés, qu'il prie toujours pour le village, qu'il consacre le village, pour qu'on essaie d'être bien. Donc vraiment, pour moi, c'est une joie. En tant que jeune. Au nom de tout le village de Zaroko, à mon nom personnel, comme une invité émise, chef du village de Zaroko, je tiens à dire grand merci à monsieur le prophète, un homme de parole, qui
qu'il nous a promis et cette promesse s'est réalisée. Je lui dis grand merci. Je dis merci à toute la délégation qui l'accompagne. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir ici. Que Dieu les bénisse en abondance. Qu'il accorde toute la plénitude de tout un chacun. Et que le travail se réalise dans de bonnes conditions. Sur ce, j'ouvre la séance. Merci bien pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer ce matin. D'abord, je dis d'abord grand merci aux autorités coutumières et un appoint bas à la délégation, c'est-à-dire son excellence le prophète Crasso, ici, avec toute sa délégation. En tout cas, c'est avec un grand plaisir de recevoir dans un hôpital un homme de Dieu qui vient au moins la première fois bénir l'hôpital. Vraiment, au nom du personnel, la santé, je tiens à lui dire grand merci pour sa venue ici. Et que vraiment, l'œuvre qu'il a commencé, Dieu puisse encore l'aider en abondance et lui bénisse. Et que vraiment, l'œuvre va. Mesdames et messieurs, monsieur le chef du village de Zaroko, très chère notabilité, monsieur le médecin chef, n'est-ce pas, du dispensaire de Zaroko, je pense que ce matin, nous sommes venus, et comme vous l'avez dit vous-même, un dispensaire, c'est du concret, c'est de la science, mais cette science a besoin d'être soutenue par Dieu, par une action divine. Et comme vous le saviez tous, à l'origine du fonctionnement effectif de ce dispensaire, il a fallu des actions prophétiques du prophète Joël Crasso. Donc aujourd'hui, c'est le vendredi 2 février et le prophète Crasso est venu personnellement pour consacrer ce dispensaire de telle sorte que ce dispensaire puisse fonctionner comme il se doit. Amen. Dans ce dispensaire, tout le monde puisse guérir pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Au médecin, je tenais à dire gloire au Seigneur pour ce témoignage palpable. Et ça fait pratiquement, je pense, que depuis 2013 que j'ai connu le village de Zaroko. La première préoccupation de ce village, c'était d'abord l'ouverture du dispensaire. C'était un dispensaire qui était en pleine construction, il y avait tout, mais ça ne pouvait pas s'ouvrir et ça faisait pratiquement 10 ans. Et tout était bloqué mystiquement parlant. Et nous avons prié. Et je crois bien dans ce bureau-là que j'ai détenu un cadenas mystique. Voilà, dans ce bureau, il a détenu un cadenas mystique. Notre ministère, c'est un ministère d'évangélisation, c'est-à-dire nous amenons les gens à Dieu, à connaître le véritable Dieu, et puis leur amener à comprendre qu'il faut abandonner la sorcellerie. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, du 15, 16, 17e siècle. Ils ont combattu, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Au 18e siècle, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Comment on peut comprendre qu'un dispensaire qui est là pour soigner tout le monde, et les gens décident, n'est-ce pas, avec leur méchanceté, décident de bloquer le dispensaire. Et c'était avec beaucoup de peine qu'on voyait des femmes mourir ici, parce qu'il y avait un problème de... Il n'y avait pas de maternité. Nos soeurs mouraient ici et tout ça. Et nous avons prié, parce qu'on ne peut rien sans Dieu. Voilà, et j'étais là aussi à dire que Il faut en toute chose associer Dieu. Là, oui, associer Dieu. Parce que David dit dans sa parole, dit, c'est avec Dieu qu'il y a l'exploit. C'est avec Dieu. Voilà, c'est avec Dieu. Il dit, si l'Éternel ne garde une maison,
ceux qui la gardent veillent en vain. Voilà, si les ténèbres bâtissent une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il faudrait mettre Dieu en toute chose parce qu'il est l'alpha, il est le méga. Amen. Voilà, donc nous, notre combat que nous menons, c'est vrai qu'on n'est pas souvent aimé par d'autres personnes, ça se comprend, parce qu'il y a des enfants de Satan, il y a des gens qui aimeraient manger des êtres humains, mais on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Voilà, c'est qui, n'est-ce pas, rend l'arbre bien, c'est son fruit, les fruits de l'arbre. Pendant 4 ans, pendant des années, nous sommes ici, nous avons combattu à vos côtés. Parce que pour nous, l'être humain, l'être qu'on appelle l'être humain, doit se développer. Quand on parle de développement, c'est le bien-être de l'être humain. Voilà, c'est le bien-être de l'être humain. Quand on parle de bien-être de l'être humain, on a besoin de l'eau, il n'y avait pas d'eau potable. Au moment où je rentrais à Zaroko, il n'y avait pas d'eau potable. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas aimer le prophète Rasson, hein, mais il y a quand même un esprit, n'est-ce pas, d'analyse, avant et pendant. Ouais, non, c'est parce que c'est pas après. Je ne suis pas rebâti. Ah. Et je n'irai pas, non, il n'y a pas après. Voilà. Il n'y a pas d'après pour dire non, il est parti, non, après. Non, pendant le prophète Crasso, vous devez faire un esprit. C'est-à-dire, vous pouvez dire, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il a fallu une prière intense. Il a fallu des actions prophétiques. Il a fallu que les gens avouent leur sorcellerie. Il a fallu qu'on déteste le cadenas mystique pour qu'aujourd'hui il y ait l'ouverture, qu'on a déclenché ça. Ils ont commencé la construction du dispensaire, qu'on a fini de prier pour le village. Vous avez de l'eau potable. Nous, on sait là. C'est vrai que je ne buvais pas votre eau de marigot, là. Mais je me lavais avec votre marigot. Je suis lavé avec votre marigot. Je suis resté pendant des périodes ici, pendant des années. Pendant des années, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parlais avec mes amis ici. On a vu la route d'avoir de Didoko, où qui était comme un lac. Et ça a gâté la voiture de mes fils spirituels. Parce qu'on a fait des Zaroko une plateforme internationale. Amen. Amen. C'est vrai, les gens, ils parlent. Mais l'onction, là, quand Dieu t'a appelé, ça ne se discute pas. À cause de moi, les gens venaient des États-Unis pour venir me trouver ici. Parce qu'ils voyaient en moi l'onction. Tu pouvais les délivrer de la prison de la sorcellerie. On a vu les gens qui sont venus, des rocards de la nation ivoirienne, qui venaient dans ce village. Vous êtes témoin de ça. Vous avez vu combien de fois moi, ma présence faisait marcher tout vos nourritures, tout acheter, tout marcher dans le village. Je te dis, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai dit aux gens, je ne suis pas venu dans le ministère parce que j'avais envie d'être pasteur ou un prophète. Je suis venu par vocation. J'ai des parents musulmans. Ma mère est peulmanienne. Mon papa était musulman, bêté des gagnois. J'ai connu Jésus-Christ quand j'avais des difficultés. C'est là qu'il a acheté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Amen. Moi, on ne m'a jamais enseigné l'évangile quand je naissais. Quand je grandissais, ce n'est pas l'évangile. C'est avec difficulté que j'ai connu Jésus-Christ. Or, Jésus m'a appelé. Et j'ai toujours dit, vous savez, il y a ce qu'on appelle... On a quand même, Dieu nous a donné le cerveau. Il y a cette capacité de voir. Même si tu n'aimes pas la chose, tu peux quand même apprécier les œuvres. Amen. Jésus dit, mais si vous ne m'aimez pas, vous savez, j'ai fini par comprendre quelque chose. Jésus n'a pas dit, quand tu le sais, ils vont t'acclamer. Il a dit, vous serez persécuté. Amen. Jamais il y a un verset biblique qui a dit, quand tu vas servir Dieu, les gens vont t'applaudir. Non, ça n'existe nulle part. Vous allez chercher de la Bible, l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, ceux qui ont servi Dieu dignement. Hein, ils ont été toujours persécutés. Et dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15, on dit, celui qui voulait vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Mais il y a des œuvres. C'est ça, il y a des œuvres. Depuis que je suis dans vos villages ici, c'est vrai, bien qu'on ait le dispensaire, j'ai toujours contribué au développement du village. J'ai fini par comprendre. J'étais ici à un moment donné où les gens ont renvoyé plus de 30 enfants. C'est moi qui les ai ramenés à l'école. Hein, payant les frais d'instruction. Avec ma propre poche, mon propre argent. Je suis allé prendre de l'argent pour ramener les enfants à l'école. Et je vous ai fait comprendre aujourd'hui que les enfants, vous voyez, sont des cas de demain. Si vous les négligez, ils ne deviendront rien. C'est à partir de là, c'est vrai que j'avais cette vision de créer un orphelinat. J'avais cette vision. Mais tout s'est concrété dans cette région. Ça a été rapide dans cette région parce que le besoin se faisait sentir. Donc, étant dans cette région, je contribue au développement de cette région. Amen. Des années, je vous envoie des kits scolaires. Je participe au développement parce que c'est ça. Le développement, le bien-être du village, j'ai toujours contribué. Je ne me suis jamais mis à marge. Toutefois que les Zaroko, il y a une difficulté, je suis là. Je ne me suis jamais mis en dehors. Là. Je suis tout dans les œuvres ici. J'ai toujours dit aux gens, vous allez une fois de ça où un pasteur, un homme de Dieu qui vient, qui vous donne à manger. Vous allez une fois de ça. Moi, j'ai appris ça de Jésus. Je ne veux pas être un homme ordinaire. C'est-à-dire, je ne veux pas être comme les autres.
Je veux imiter Jésus. J'ai vu un moment donné où Jésus a donné à manger aux gens. Amen. C'est mon maître, c'est mon guide. J'ai fait comme lui. Je donne à manger. Je partage du moins ce que j'ai avec vous. Les veuves, je leur donne des soutiens. Les enfants, je n'ai cessé. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à créer une fondation au niveau de Divo. On a aujourd'hui, j'étais l'année dernière, on nous a donné, j'ai eu 4000 chaussures venant des États-Unis. 4000 chaussures. J'ai distribué à Zaroko. J'en ai distribué aussi au niveau de Divo et tout ça. Donc, étant dans cette région, je participe au développement de cette région. Parce que Dieu, c'est le développement. Amen. Dieu s'est développé. C'est-à-dire non seulement ça, parce que Dieu, c'est pas entre les quatre murs. Quand on dit Dieu, c'est l'amour. Vous savez, quand on dit quand quelqu'un sert Dieu, c'est pas dans ce qu'il dit, c'est pas entre les quatre murs. C'est parce que la chrétiennité, c'est plus la vie, dans ce qu'il fait chaque jour. Et Dieu, c'est le partage. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Je bénis le nom du Seigneur. On ne peut pas vivre dans un village sans un dispensaire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un dispensaire sans une maternité. Ce n'est pas possible. D'autres meurent, d'autres personnes doivent naître. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un village sans eau potable. Voici les choses pour lesquelles nous avons prié. J'étais là. On dit on reconnaît un ami dans le malheur, dans les moments difficiles. Moi, je ne suis pas venu au moment où il y a des dispensaires qui sont en train de s'ouvrir. Non, je suis venu où il y avait la brousse ici. Amen. C'était la broussaille. J'ai rentré, on déverrait les herbes ici, on nettoyait les herbes. Quand je rentrais dans cette maison pour aller détruire le cadenas, on nettoyait les herbes ici, on coupait les herbes ici. C'était envoyé d'herbes. Par moi, je donnais de l'argent aux gens pour venir nettoyer nos dispensaires. C'était mon souci. Parce que d'abord, la santé. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie. Je suis vraiment très content. Et je bénis le nom du Seigneur. N'est-ce pas pour ce grand miracle. Ce grand miracle pour l'ouverture. Parce qu'il y a ce que les gens décident de faire. Et puis il y a ce que Dieu cautionne. Amen. Au village, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a la pratique de la sorcellerie. Celui qui nie ça, c'est que lui-même est sorcier. Or, les sorciers sont anti-développement. Là où il y a des sorciers, tout ce qui va développer le peu, ils vont s'opposer à ça. Ils vont s'opposer à ça. Or, si nous ne nous levons pas dans la prière, c'est ce que vous allez faire à un moment donné de votre vie. Vous êtes levé dans la prière avec moi. Et nous avons prié pour que le Seigneur se manifeste. Je suis très content aujourd'hui de voir tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Je mets le nom du Seigneur et je dis merci au Seigneur pour le médecin. Au lieu d'un infirmier, on a fait un médecin. Et ça, c'est déjà très... Et bientôt, la thèse, c'est ça, on doctorat, tout ça. Alors, d'accord, vous êtes infirmier. Mais moi, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Hein. On dit qu'il est médecin, c'est ça. Je vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui est là aux soins de la population, les gens qui sont de la population, tout ça. Nous sommes médecins de l'âme, nous soignons les âmes, et ils sont là pour les médecins du corps. Mais vous savez, si Dieu n'est pas associé à ça, cette action, ça ne peut pas aller de l'avant. Il faut que si Dieu le protège. Parce que généralement, ces gens de personnes sont la cible des gens méchants. Vous savez, la sorcellerie, c'est une maladie chez nous. Nous considérons les sorciers comme des gens possédés. Dans l'expression chrétienne, on dit que c'est des gens qui sont possédés, qui ont des esprits méchants. Pendant que le méchant est en train de te soigner, tu veux le manger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On dit qu'il y a un médecin, on dit qu'il y a un médecin dans le village qui soigne tout le monde. Et c'est lui qui veut manger. Est-ce que c'est normal? Non. Ouais, non. Pour nous, les sorciers sont malades. Souvent, moi, je réfléchis, je les regarde. Leur manière de voir la vie, ils sont possédés, ils sont malades. Donc, vous savez, prions pour lui. N'est-ce pas? Prions pour lui qu'il soit heureux parmi nous. Parce que moi, je vous dis, comme je disais tout à l'heure, je ne me dis pas après, hein, je suis parmi vous. Hein. Amen. Tu veux, tu ne veux pas, je suis là. Hein. Après, je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Voilà, la preuve, c'est qu'on aura une convention internationale ici, internationale du mois de août. Toute la délégation européenne, toute la délégation américaine, canadienne viendra rendre visite aux gens de Zaroko et nous projetons. Amen. La semaine prochaine, je reçois deux médecins qui viennent de la France et je les amènerai ici pour entendre. Du village de Zaroko. Voilà, donc voici le combat que je mène. Voilà, voici un peu le combat. Et j'ai décidé cette année, comme d'habitude, c'est vrai que vous me choisissez comme parrain, mais moi, j'ai décidé de parrainer vos manifestations. Oh, manifestations. Mais j'ai un but bien précis hein, quand je m'en dis. Parce que pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. Si la jeunesse a peur, pour nous, il ne faut pas qu'on ait peur de venir à Zaroko. C'est un peu le combat. Quand on veut nous prendre un village,
Il ne faut pas que les gens puissent venir à Zaroko, que les gens soient à l'aise de passer leurs vacances librement. Parce qu'avant moi, il y avait cette psychose qui régnait ici à Zaroko, où quand quelqu'un finit de faire des vacances, s'il devait un rat ou bien abouti qu'on mangeait après. On le mangeait la sauce et banane, ou bien sauce ketchup, et pour tout banane, on le mangeait très bien le 30e, le 1er janvier. Donc les jeunes avaient peur. Depuis que je suis rentré ici, je n'ai fait qu'organiser chaque vacances. Ou bien les fins d'année, j'organisais les compétitions de football, je l'ai toujours fait. Voilà, donc cette année, spécialement cette année, c'est vrai que l'année précédente, le président des jeunes m'a approché pour parrainer. Mais moi, aujourd'hui, j'ai dit, je suis le parrain de toutes vos manifestations. On va faire ressortir karaté Dieu dans tout ça, parce que même la jeunesse doit avoir Dieu, ça c'est vraiment important. Dieu doit être notre repère, Dieu doit être notre repère. Notre jeunesse, nous devons la donner au Seigneur pour que nous puissions être bénis. C'est vous la jeunesse et l'avenir de demain. Voilà, donc j'ai toujours été aux côtés des Zaroko. Je ne me suis jamais mis à marge. Quand je sens qu'il y a un problème, je me mets dedans dans la chose. Vous savez, quand on a Dieu, on a une manière de voir la vie. C'est d'aider son prochain. Voilà. Moi, c'est ça. J'ai une manière de voir. Quand on a Dieu, c'est aider son prochain et de partager. Si tu n'as pas ça, ta vie n'a pas de signification. Grosse vie, ou ta chrétienté n'a pas de signification. Parce qu'avoir Dieu, c'est de partager. Avoir Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà, donc je tenais à dire merci au Seigneur. Je suis de tout cœur avec vous. Je ne peux pas être aimé de tout le monde, mais les vrais enfants de Dieu même. Amen. Amen. Parce que je suis devenu international. Je voyage. Je viens de faire trois mois en éducation sur l'Australie. Je l'organisation un peu partout. Mais toutefois, quand je finis, je reviens à ma base, qui est la région de Divo et précisément à Zaroko. Donc, pour dire, je suis de tout cœur avec vous, surtout, veuillez aider-le. Vous voyez, c'est vous qui devez le soutenir moralement, afin qu'il ait le courage de demeurer ici. Ça, c'est vraiment très important. Amen. Voilà, il faut qu'il ait le courage. Il faut le soutenir en prière, vous devez le soutenir moralement, vous devez l'aider. C'est pas facile de laisser la vie d'être ici. C'est pas facile. Et je tenais aussi à dire merci aussi à monsieur l'infirmier. C'est pas facile d'être dans un village. Et merci pour son courage, pour ce qu'il fait pour mes parents, parce que Zaroko, ce sont mes parents. Merci pour ce qu'il fait pour mes parents. Et je suis de tout cœur avec vous. Comme je disais, il y a deux infirmiers qui arrivent, des médecins, des spécialistes qui arrivent au nom de ma fondation ici à Divo. À Divo, au nom de ma fondation, parce qu'on a un projet pour les enfants de la région de Divo. Et moi, je viendrai avec les médecins pour entrer en contact avec l'infirmier pour qu'on puisse aider en médicaments, en tout ça. Amen. Pour qu'on puisse aider. Il y a des choses sur lesquelles je m'étais promptement, mais vous allez voir des surprises. Amen. Je serai toujours là pour contribuer, n'est-ce pas, à l'avancée de ce village. J'ai toujours le visage dans mon cœur, j'ai toujours le village. Quand je prie pour Zaroko. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. De cette cérémonie, c'est d'hypothéquer l'avenir du dispensaire. C'est-à-dire, Dieu vous bénit. Et puis, à l'ouverture, vous ne créez pas une cérémonie pour lui dire nous aidions le dispensaire. Le dispensaire n'aura pas d'avenir. Parce que David dit c'est avec lui. C'est vrai que c'est ouvert, mais il faut que Dieu soit associé. Et c'est nous qui devons l'inviter pour dire Dieu, nous t'invitons. Quand on invite Dieu, il vient. Il nous respecte. Au moment où on avait des difficultés, on l'avait invoqué. Maintenant, le Seigneur s'est manifesté. On a eu un infirmier. Bientôt, on a eu une matière. Sache pas, c'est ça? Elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va l'emmener ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, c'est ça. Donc, on va essayer de prier pour dire, Seigneur, ce n'est plus une question de prière. Maintenant, nous comprenons qu'il faut que tu nous bénisses. Il y a des maladies qui ont besoin d'être réglées ici. C'est vrai que j'écoutais l'infirmier parler. Il y a souvent des maladies, quand tu regardes, tu sais que ça c'est mystique. C'est en français, c'est pas en langue dida. Quand on dit mystique, ça veut dire quelque chose qui est étrange. C'est un mystère, étrange. Il veut dire que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Or, si c'est mystique, il y a aussi une mère occupe derrière. Donc la médecine ne peut rien comme ça, la science ne peut rien. Voilà, parce que la science nous sert d'expliquer les phénomènes de la nature. Comprendre et expliquer les phénomènes de la nature. Or, si on ne comprend plus rien, c'est qu'il y a de quoi se poser des questions et de demander l'intervention de Dieu. Donc c'est ça que nous demandons, nous allons prier
invoquer Dieu, lui demander de prendre possession des locaux, de conduire toutes choses, de bénir, n'est-ce pas, le séjour de l'infirmier, pendant tout ce séjour, qu'il soit protégé par Dieu, qu'aucune maladie bizarre ne l'arrive, qu'il soit protégé, qu'il soit béni, et que son séjour soit un témoignage puissant de prospérité, et qu'il n'oublie pas. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et je vais prier. Donc on va poser un acte. Il est le Dieu quand tu invites qui vient immédiatement. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Amen. Nous allons prier. Je vais prier, poser un acte prophétique. L'huile c'est un symbole. Hein? L'huile c'est la présence, c'est un symbole de l'esprit. Dans la Bible, quand on parle de l'huile, c'est un symbole de l'esprit. Et nous allons prier pour que la puissance de Dieu conduise, n'est-ce pas, le dispensaire, la maternité, et bénisse le personnel ici. Nous t'invoquons, notre Dieu. La Bible nous déclare une chose, que c'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a point de guérison. Les infirmiers, les médecins ne font que soigner. Et c'est toi qui guéris. Amen. Si tu ne cautionnes pas, il n'y a point de guérison. Nous t'invoquons ce matin. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu dis dans ta parole que en ce nom, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Nous t'invoquons ce matin. Et dans le nom de Jésus-Christ, dirige ce dispensaire. Bénis l'infirmier. Bénis le personnel de la maternité, de l'infirmerie de Zaroko. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui vont vouloir, qu'on veut ou pas, on a des ennemis. David dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Que les ennemis, n'est-ce pas, de ce dispensaire, de l'infirmier, du personnel, deviennent tes ennemis. Amen. Et Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons les locaux consacrés à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, je prie pour ton serviteur, parce qu'ils sont à ton service. C'est vrai qu'ils sont en service. Protège-le, garde-le dans le creux de ta main. Donne-lui l'avantage, la grande connaissance, Seigneur, afin de pouvoir, n'est-ce pas, apporter le soin qu'il faut, Seigneur notre Dieu. Aide-le, Seigneur. Bénis-le davantage. Bénis sa main. Bénis son travail. Bénis ses collaborateurs. Bénis-le. Bénis son séjour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Moi je suis de Zaroko, donc voilà, je suis de Zaroko. Je vais lui faire une bonne année parce que je suis du village, je suis content. Amen. Aujourd'hui, qu'on a un infirmier, il va, on ne s'est pas vu le premier, aujourd'hui on a le deux. Il va manger son poulet. Si moi foutu, il va faire foutu. Voilà, donc c'est une bonne année. Amen. Je le vois en train de nettoyer les truies. Il dit, mais ce qu'il dit, il est bien. Donc, il a pris excellence prophète Crasso. Il a été choisi sans qu'il le sache. Hein. Je lui ai même dit, le dimanche prochain, il reçoit son prix. Je suis le plus cœur avec vous. J'aime même mes ennemis. Je les aime bien. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne vas pas avancer. Non. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas d'ennemis. L'infirmier, comme je disais comme ça, il y a la visite de deux médecins spécialistes qui arrivent au nom de la fondation. On a un projet d'aider les enfants pour les soins et tout ça. Donc, au nom de Jésus. Oh,
Mesdames et messieurs, en ce lieu-là, c'est un grand symbole. Oui, nous venons de Zaroko et j'ai préféré faire escale ici, spécialement pour vous dire, enfants de Dieu, fils de Dieu, que sur cette terre-là, il existe la technique et le miracle. Oui, il existe le miracle au-dessus de la technique. Parce que ce centre-là, ne pas dire ce lieu-là, c'était un véritable lac. Pour ceux qui connaissent ce carrefour de Didoko, je n'aurais jamais cru un seul jour qu'on aurait pu avoir ce spectacle. Un spectacle dans une ambiance de vie aujourd'hui qui nous fait oublier totalement le cauchemar que c'est ce carrefour. C'est un véritable cauchemar. Parce qu'arrivé ici, on était obligé d'enlever nos pantalons. Tous nos véhicules dans le cortège du prophète Joël Crasso. Des prières à chaque fois, des prières. Oui, si nous revenons encore quelques années en arrière, tous les filles de cette région le savent. Alors ce matin, je tenais à communiquer pour vous dire, bien-aimés, Dieu là, c'est le miracle d'abord. Et puis la technique suit. On n'a rien contre la technique, hein, mais sachez que tout ce qui est matière là repose sur la prière. Et le prophète Crasso, à travers les œuvres que nous visitons en ce moment, et qui sont là, qui sont palpables, le prophète Crasso ne fait que renforcer notre foi. Tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, le prophète Crasso renforce notre foi à croire en Dieu. Oui, parce que Dieu là, il est vivant vraiment. Et c'est à travers toutes ces œuvres là qu'on est convaincu que effectivement Dieu là, c'est la vérité. Dieu là, c'est la réalité. Parce que ce coin là, si aujourd'hui ce coin là est assaini, je le répète, c'est grâce, ça c'est un véritable miracle. Je ne peux pas vous mentir. Bien-aimé, Dieu là, il est vivant. Et il y a des gens par qui Dieu s'exprime. Il faut aussi les détecter. Et le prophète Crasso là, il ne fait que renforcer chaque jour davantage notre foi. Là, c'est la route des Zéhiri. Et là, c'est Didoko village. Là, c'est la grande voie qui conduit celle-là, c'est Divo. Et ici, c'est vers Iré. Mais je vous assure qu'ici, là, arrivé ici, on était obligé de se déchausser. Toutes nos voitures tombaient en panne ici. Donc vraiment, je suis très heureux. Quand il y a une onction sur un serviteur de Dieu et que cette onction-là se fait voir, il faut la soutenir. Et toute la région de Divo, et le prophète est encore là, comme il venait de le dire ce matin à Zaroko, il est avec nous. Il va aller aux États-Unis, il va aller en Europe, il va aller en pôle Nord. Mais c'est ici que son employeur qui est Dieu là, lui a dit, va là-bas à Divo, va chasser les sorciers, va les détruire. Parce que ici là, c'est un lieu de repos de Dieu. Notre région est bénie, on est riche. Dieu même veut se reposer ici. Mais les sorciers ne veulent pas. Et le prophète est venu ici, il va faire le lit de Dieu. C'est son employé, il l'a envoyé ici là. Lui-même il le dit, il est fier de le dire. Et je pense qu'on s'entend encore à beaucoup de choses. Si cette route là, ici là, ce point là a été assaini, très bientôt, on attend une déclaration officielle pour nous dire que le goudron, Divo, Iré, Yamsokro, sera aussi dans un programme de réhabilitation. Mais je vous remercie ce matin. Bien-aimés, vous voyez, très chers frères, voici les conditions dans lesquelles on se rendait à Zaroko. Et je vous assure, tout à l'heure, je venais de vous indiquer le grand carrefour de Didoko, assaini. Et encore cette voie-là, c'est ce qu'on appelle le cauchemar. Si vous n'êtes pas un envoyé de Dieu et que vous n'êtes pas un appelé, vraiment,
quel que soit le prix, vous serez très difficile d'accepter ces conditions-là de travail. Et pourtant, des années, durant des années, le prophète Joël Crasso a toujours, même à minuit, à n'importe quelle heure, à 2h du matin, on est toujours ensemble, dans un cortège, en train de faire ces parcours-là. Presque infranchissables. C'était des missions impossibles. Et c'est là qu'on voit réellement les appelés de Dieu. Parce qu'il faut satisfaire à la volonté de Dieu. Et c'est ce que vous constatez là. Oui, ouais, pour ajouter à ce que le président Sekou vient de dire, c'est une œuvre d'évangélisation de notre ministère, le ministère de la compassion des âmes. Étant une œuvre d'évangélisation, le Seigneur nous a envoyé dans cette région de l'Ordre du Bois et précisément dans le Vata, ici. Et donc vous voyez, cette voie, elle est pratiquement dégradée. Vous voyez, elle est dégradée. Et là, on parcourait cette voie la nuit. On quittait Divoville. Au moins, on a passé du temps. D'abord, 6 mois dans le village, en train d'aider le village dans l'évangélisation. Et le Seigneur nous a amené à prendre une maison à Divo. Et après ça, on quittait Divo à 9h. On s'y rendait ici. On a prêté cette voie. On ressortait de cette des aéroports à 1h du matin. Donc on avait pratiquement 1h30 parce que la voie est dégradée. À un moment, nos voitures se gâtaient sur cette voie et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a payé. N'est-ce pas? Il y a eu le développement du village. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a eu la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Quand je dis les œuvres de la sorcellerie, la mort, et n'est-ce pas, prématurée. Aujourd'hui, la confiance a regagné. Cette psychose de vouloir mourir est partie. Voilà, parce que là, cette psychose d'avoir peur d'aller au village, de visiter sa maison, a disparu. C'est une victoire pour nous. Donc j'appelle à mes amis, mes collègues, pour moi, le Jésus-Christ n'est pas que seulement en ville. Donc, il faut qu'il faut approcher nos parents qui sont dans les villages et aller à la source afin d'annoncer l'évangile. Shalom, Dieu bénisse.